c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, toujours dédié 100% à la couture, où je vais vous parler donc de mes réalisations du mois de mai. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez profité des ponts du mois de mai si vous avez eu la chance, ou que vous êtes reposé, vous avez cousu, enfin vous avez profité de la vie, voilà. Alors, le bilan du mois de mai. J'ai pas cousu tout ce que je voulais coudre. Enfin, j'ai un projet que j'ai pas eu le temps de coudre et j'ai eu une galère, on va dire. Et je crois que c'est tout. Ouais, il y a un modèle où ça ne va pas du tout, mais ça, je vais vous en parler un petit peu après. Donc, on va tout de suite commencer sur le premier projet. Donc, je vous en avais parlé donc, le mois dernier. Donc, c'est le top pôle de chez Machine. Voilà, qui va de la taille 32 à 56. Qui est de difficulté 1 ciseau sur 5, ce que je confirme. Donc vous avez le devant, le dos, la bande d'encolure, la ceinture et les bords au niveau des manches et du bas sont accrus. Sauf que moi j'aime pas trop, donc du coup j'avais déjà réalisé deux versions l'été dernier puisque c'est un modèle que j'aime bien. Et du coup j'avais fait en fait des poignées, enfin des petits ourlets au niveau des manches et pareil un ourlet à la surjeteuse au niveau là du bas du corps. Alors au niveau réalisation, rien à dire. De toute façon le cahier technique chez Machine est très bien fait, j'ai pas de soucis. Et là à vrai dire je n'ai pas vraiment regardé puisque voilà, c'est un modèle que j'ai cousu à la surjeteuse très rapidement. Donc au niveau des modifications, alors donc j'ai fait comme je vous ai dit des ourlets au niveau, j'ai rajouté une bande au niveau des manches. Et j'ai fait un ourlet à la surjeteuse au niveau du bas. En plus de ça, j'ai réduit la ceinture en fait. Je l'ai réduit de moitié et je l'ai un petit peu raccourci. Parce que pour moi c'était trop long et voilà, tout au long de la journée, ça avait tendance en fait à plier. Donc du coup j'aimais pas trop. Le tissu que j'ai utilisé c'est un tissu de chez Benitex. Et voilà, c'est un jersey de viscose. Alors je vous montre ma réalisation, sort de la machine, c'est mouillé, je suis désolée. Donc là voilà, hop, donc mon top pôle, hop, qui est ici. Donc là vous avez donc la bande d'encolure, là elle tire un peu mais au porté ça se voit pas. Au niveau des manches, donc j'ai fait un rajout d'une petite bande de chaque côté. Voilà, je trouve que ça finit mieux, moi je préfère, ça finit le vêtement. Et donc en bas j'ai fait un ourlet à la surjeteuse, en fait il me reste plus qu'à piquer pour qu'il reste bien et pas qu'il rebique en fait comme il le fait juste ici. Voilà, la ceinture, donc comme je vous ai dit, je l'ai réduit de moitié et en plus de ça je l'ai pas mal raccourci. Voilà, elle n'est pas aussi longue qu'elle devrait. Hop, hop, hop. Donc voilà. Hop. Voilà, donc c'est un jersey qui est extrêmement fluide, extrêmement fin. Bon, là, il est mouillé, donc voilà. Au niveau du motif, donc c'est un motif, il est bleu marine. Et donc, vous avez dessus des roses qui sont dessinées. Donc là, c'est grège. Et ensuite, vous avez la couleur avec le feuillage et la rose rouge. Donc voilà, je trouve très joli. Très agréable à porter, c'est vraiment vraiment très très agréable à porter. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est tout, j'ai pas. Non, il est simple à réaliser, vous assemblez le haut, enfin le devant et le dos au niveau des épaules. Ensuite, vous assemblez le corps, sans oublier l'insertion de la ceinture que vous avez. Retourner tout ça juste avant et ensuite voilà, vous faites la bande d'encolure et le t-shirt est terminé. Donc c'est vraiment une petite cousette rapide et franchement j'aime beaucoup le rendu parce que voilà, là même si je le refaisais sans ceinture, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Il est ajusté au niveau du corps, donc je le trouve plutôt pas mal ce petit t-shirt. Voilà pour cette première réalisation qui m'a, j'ai pas rencontré de difficulté du tout sur celle-là. Je vous montre ce que ça donne porté. Voilà pour ce top pôle. Donc il y en aura d'autres, c'est sûr. Peut-être pas cet été, enfin je sais pas.
On verra bien, mais c'est sûr que je referai de ce modèle puisque je l'aime beaucoup. Le deuxième modèle dont je vais vous parler, je vous en avais aussi parlé le mois dernier puisque je l'avais déjà cousu une première fois et je vous avais demandé votre avis puisque je doutais par rapport au fait que est-ce que je le garde en robe ou est-ce que je le faisais plutôt en top. Alors après avoir vu tous vos commentaires et puis voilà, finalement j'ai décidé de le garder de la garder en robe. Donc déjà merci beaucoup de m'avoir laissé un petit commentaire, c'est très gentil, merci beaucoup. Et donc j'avais envie de me réaliser un second modèle, donc c'est la robe Lucette qui est tirée de ce livre, donc c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. Et donc la robe Lucette, en fait vous avez une multitude de possibilités en fait dans ce livre, à chaque modèle vous avez plusieurs possibilités. Et donc moi j'avais choisi donc Lucette, donc le cache-cœur. Et donc avec plusieurs possibilités. Donc ma première version, donc c'était avec des manches courtes, le cache-cœur évidemment, la ceinture, et ensuite c'était froncé, pardon, et en version robe. Et donc je voulais me refaire une robe exactement la même, et j'avais craqué à Toto Tissu à Montpellier sur du jersey de viscose bleu marine avec des pois blancs et des grosses cerises. Ça fait un petit moment que je cherchais en fait ce type de tissu. Et donc quand je l'ai trouvé, ben, en fait j'ai pas regardé plus que ça. C'est pas la qualité du tissu, mais je vais dire c'est plutôt la densité, enfin le poids du tissu. Voilà, je me suis pas trop rendu compte de ce que ça pouvait rendre en fait une fois cousu. Donc du coup, bon ben voilà, me voilà partie à prendre 1m50 puisque je me suis dit il vaut mieux que. Tu vas faire les choses comme il faut, puisque donc la première robe que j'ai faite, je l'avais casée dans 1 mètre, mais j'avais réduit certains endroits, il y avait un petit peu moins de fronce, et puis elle partait un petit peu moins en trapèze. Et donc là, je voulais vraiment faire le modèle exact, donc j'ai pris 1 m50. Donc, par rapport au modèle, donc moi, la bande de l'encolure et la ceinture, j'ai fait comme sur le premier modèle, donc j'ai fait une différence de couleur. Donc j'ai fait une bande simplement bleu marine dans un jersey aussi de viscose un petit peu texturé, enfin ça fait comme des petits traits. Et en fait les deux ensemble c'est trop souple et en fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte une fois que je l'ai porté et que j'avais fini mon ourlet, puisque j'ai fait un ourlet à la surjeteuse. Une fois que j'avais fini mon ourlet à la surjeteuse, j'essaye la robe. Et là, catastrophe. Gros moment de solitude. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'allait. Donc ça n'allait pas du tout. Elle était trop longue, donc elle m'arrivait bien en dessous du genou. Donc pour moi, c'est pas possible parce que voilà, Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis petite. Donc du coup, ça a tendance vraiment à me tasser. En plus, voilà, je suis pas toute mince, donc j'ai des formes. Donc c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir des énormes poteaux à la place des jambes. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et puis la ceinture, le cache-cœur, donc du coup, ça tombait vraiment. Le cache-cœur n'était pas bien dessiné. Enfin, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc ça me plaisait pas du tout. Et en plus de ça, en fait, quand j'ai coupé, j'ai pas été forcément très vigilante, puisque en fait, je me suis retrouvée avec. Ça faisait un arc en fait. Donc, mais exactement pareil, hein, ça faisait devant et dos, c'était plus court au milieu, et plus on allait vers la couture, vers les extrémités, c'était plus long. Donc, ça faisait vraiment pas très joli. La robe était entièrement montée, entièrement terminée, j'avais tout surjeté, j'avais fait des piqûres en plus à la machine à coudre. Il me semble, oui je crois, sauf pour l'encolure, et bon ça n'allait pas du tout, donc du coup je demande l'avis à mon mari qui me dit c'est dommage, c'est un joli tissu, parce que bon moi à partir du moment où j'ai fait quelque chose et où ça rend pas ce que j'avais dans ma tête, généralement je ne le porte pas, et donc je le mets de côté, et quand j'ai une copine qui vient quand je fais des tris dans les vêtements, ça part. Voilà, c'est quelque chose que je porte pas, je sais que je vais pas le mettre, je vais pas le jeter puisque c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai quand même mis du temps, même si à la surjeteuse ça va très vite, mais voilà. Et donc mon mari mais c'est dommage et tout ça, et puis je lui dis bah oui en plus voilà, ça fait un petit moment que je cherche un tissu bleu marine à pois avec des cerises, enfin après j'avais une idée bien précise, et je lui dis bah franchement je suis déçue. Bon,
Et donc on réfléchit et je lui dis, bah écoute, tu vas me prendre les mesures. Tu vas me prendre les mesures pour que j'en fasse un top. Parce que je me dis peut-être que ça passera mieux en top. Donc il me prend les mesures. Je suis en train de vous raconter ma vie. Désolée. C'est pour vous expliquer le cheminement en fait. Donc il me prend les mesures et tout ça. Et donc je me mets bien à plat sur ma grande table de salle à manger. Puisque j'ai une table de salle à manger qui peut accueillir, je crois, 12 ou 16 personnes. Donc elle est gigantesque. Donc je fais bien les mesures. Je calcule bien et tout ça et tout ça. Et donc je coupe en top. Je fais l'ourlet donc pareil à la surjeteuse. Bon là je l'essaye. Alors évidemment je suis déçue puisque je n'ai pas de robe comme j'en avais envie. Mais j'ai un top. Donc, enfin j'ai un t-shirt. Donc du coup je me dis j'ai quand même sauvé les meubles. C'est portable, ça me va. Voilà, ça tombe moins parce que je pense qu'il y a moins de poids du coup. Moins de poids de tissu. Donc du coup ça tombe un peu moins, ça fait un peu moins lourd parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais des poids en fait en bas de ma robe et que ça tirait, enfin que ça poussait vers le bas. Donc là c'est pas le cas, ça fait quand même plus joli avec un jean, je trouve que c'est quand même joli. Voilà, alors après c'est un modèle donc que je referai c'est sûr parce que ma première version, enfin je veux dire c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup cette robe, je la porte très très souvent. Elle est tout le temps au lavage quasiment parce que je la porte très souvent. Et du coup voilà, je réfléchis à essayer de me trouver un tissu, mais là pour le coup. Vraiment, si moi j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce modèle-là, ne prenez pas. Enfin, prenez un jersey qui se tient. Pas un jersey comme moi de viscose qui est extrêmement souple. Voilà, ça va pas du. Enfin, moi en tout cas, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Niveau des explications, j'ai pas regardé puisque c'est quelque chose que j'avais fait quelques semaines avant, donc ça a été tout seul. J'ai pas eu de difficulté. J'ai pas modifié, j'ai rien modifié du tout au niveau des dimensions. Quand j'avais coupé, en fait, j'ai même pas modifié l'ourlet pour que ce soit plus court et tout ça. Donc il y a peut-être ça aussi qui est rentré en jeu, mais bon. Après, quand j'ai coupé à mes dimensions à moi. Donc je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai enlevé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'ai découpé la robe sur mon 1m50, il me reste suffisamment de tissu pour faire quelque chose à ma fille ou. Pour me faire un givre, pour me faire le haut du givre en débardeur ou en t-shirt. Voilà, il m'en reste assez. Sachant que j'ai fait une taille 36. Oui, c'est ça, une taille 36. Donc voilà. Je vais vous montrer ma version. Hop. Donc le voilà. Donc le jersey à pois, enfin bleu marine à pois blanc. Avec des grosses cerises, donc je le trouve vraiment très joli en fait. Ce tissu, c'est vraiment, enfin, c'est tout à fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, vous avez le cache-cœur qui est là, donc le jersey que j'ai pour trancher un petit peu, puisque je trouve que c'est quand même, enfin, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, donc je sais pas si vous verrez, mais il a des petits, ça fait comme des petits traits, donc il est très, très, très souple. Toutes les fronces donc sont ici, et donc ensuite vous avez le bas du t-shirt, donc j'ai même pas rentré les fils puisque je l'ai coupé, je l'ai recoupé et recousu, je crois, il y a 2 jours, il me semble. Donc voilà. La seule chose qui me reste à faire, c'est pareil, parce que j'ai souvent ce problème-là, en fait, quand je fais mes ourlets à la surjeteuse. C'est-à-dire que ça a tendance à rebiquer. Donc je sais pas si vous le verrez, parce que là, ça tient à peu près, sauf là. Voilà. Donc là, ça rebique. Donc généralement, je fais quand même une piqûre au point triple de ma machine à coudre tout le long pour que ça tienne. Voilà. Donc voilà pour cette version. Et donc le dos, bah vous avez la partie dos qui est ici avec donc l'empiècement, les fronces, manches courtes évidemment. En plus avec la saison qui arrive, donc ce sera forcément manches courtes. Même s'il faut avouer que l'été, je porte très 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 peu de pantalons. Je porte pour le travail, je porte surtout des leggings, des caleçons et tout ça, puisque voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et des pantalons, j'en porte très très peu parce que j'y fais tellement chaud que j'ai du mal. Mais bon, pour une mi-saison, voilà, ça passera large ou quand on fait des soirées ou des trucs comme ça où il fait un peu plus frais à la plage ou au bord de la rivière, ça passera. Donc voilà, et donc je suis toujours à la recherche. Quand même, de mon tissu jersey, mais jersey de coton bleu marine avec des pois et des cerises, je vais finir par le trouver. Je perds pas espoir. Donc voilà ma version du top du coup Lucette. Donc j'aurais fait une robe et un top. Bon, ça passe. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté.
Donc le prochain modèle que je vais vous présenter, donc il s'agit de la robe Mana de chez Machine, donc qui va de la taille 32 à 56. Moi j'ai réalisé une taille 36 qui est de difficulté 3 sur 5. Donc vous avez une jolie pochette déjà. Vous avez au dos de la pochette donc le tableau des mensurations, le tableau du vêtement fini et ensuite le métrage nécessaire au niveau du tissu ainsi que les recommandations. Donc vous avez, quand vous ouvrez, le patron qui est en couleur pour chaque taille. Et ensuite vous avez le livret technique, enfin le cahier, la marche à suivre, qui est en petit format. Donc ça je trouve ça sympa. Et en format un peu livré, donc ça c'est cool. Là vous avez le schéma. Donc sur l'avant, donc vous voyez, donc il y a des pinces au niveau du haut. L'avant je crois que c'est celui-là. Oui, c'est là, pardon. Donc vous avez des pinces au niveau du haut, c'est un col rond avec une pointe et ensuite c'est froncé. Et le dos c'est à peu près pareil, sauf que vous avez aussi des pinces avec pas de col rond, un col un peu plus haut forcément. Et ensuite une pointe avec la jupe qui fait des fronces. Vous avez des poches. Et voilà, le cahier technique est bien expliqué. Vous avez un schéma qui correspond en fait au paragraphe, donc ça c'est plutôt bien expliqué. Si jamais vous avez des difficultés ou que vous vous posez des questions sur certaines étapes, justement, elle met en fait un petit logo YouTube pour aller voir directement sur la chaîne de chez Machine. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Tu trouveras des tutoriels sur chezmachine.fr et sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, s'il y a des étapes qu'on ne comprend pas trop, on peut aller y faire un petit tour. Moi j'ai bien aimé surtout l'explication du burrito parce que j'ai tendance en fait à aller vite sur cette étape parce que réellement c'est pas très compliqué. Mais on se retrouve souvent avec un peu de matière et du coup des fois je cafouille un petit peu. Et donc là voilà, j'ai bien aimé comment c'était expliqué, c'était pas mal schématisé, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, donc j'ai pas eu de difficulté. Après, la difficulté je pense que c'est vraiment de faire des jolies pinces, bon ça voilà, mais c'est vraiment de bien répartir les fronces en faisant attention à la pointe. Donc voilà, alors ma version, donc moi je l'ai réalisée dans un coton qui est relativement fin. Je sais pas où mettre ça, je vais mettre ça là. Hop, pardon. Un coton qui est relativement fin, donc de chez Toto Tissu. J'avais pris un coupon de 3 mètres à Toto Anières quand je suis donc allée à Paris en début d'année. Voilà, j'étais tombée, je trouve, c'était sur une bonne occasion. J'étais à la base, enfin à la base généralement chez Toto j'y vais pour les tissus au poids. Et suivant les Toto, des fois il n'y en a pas du tout, même des tissus au poids, enfin c'est surtout du coton. Et il n'y a pas beaucoup de choix. Le choix le plus important d'ailleurs, enfin qui moi me paraît le plus intéressant, c'est au Toto Réaumur. À chaque fois que je vais à Paris, à chaque fois je vais là-bas et à chaque fois je trouve des pépites vraiment pas chères avec des tissus au poids. Enfin j'aime beaucoup. Ensuite, donc pour en revenir à mon coupon, donc j'y étais allée donc, pour des tissus au poids que je n'ai pas trouvé. Et donc en allant vers la caisse, puisque j'avais acheté quand même 2-3 babioles, évidemment, je suis tombée en fait sur une table où il y avait plein de coupons. Et donc c'était marqué que ces coupons-là étaient à moins 50%. Et à côté, il y avait des coupons à 5 euros. Et donc le tissu que j'ai pris, ça fait partie donc des coupons à 5 euros. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ça c'est quelque chose que j'avais pas vu à Toto Réaumur. J'ai pas vu non plus à Toto Montpellier. Et je suis allée à Marseille la semaine dernière. Et j'ai pas vu non plus si, il y avait des coupons à 5 euros à Marseille, pardon. C'était des tissus au poids qu'il y avait très peu. Enfin c'était pas très beau. Enfin bref, donc voilà. Donc ma version. Tout ça pour parler de ça, bref. Donc vous avez, donc elle est grise claire avec, enfin non pas gris clair, hein, gris, avec des rayures blanches. Donc là vous avez les manches, enfin la partie qui vient au niveau du haut des épaules ici. Là vous avez l'emmanchure, le col, les pinces, voilà, des deux côtés. Hop, là c'est tout froissé, j'ai pas bien repassé. Ensuite donc vous avez la pointe qui est ici, les fronces, pareil pour le dos,
Hop, donc vous avez le dos qui est ici avec les pinces de chaque côté. Pareil, ses épaules un petit peu tombantes là. La pointe et la jupe qui est froncée. Vous avez les poches de chaque côté. Hop, hop, que j'ai fait dans le même tissu. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, voilà, vous avez la jupe qui est... j'ai fait un double rentré, tout simple. Alors, j'avais fait une bêtise en fait, c'est que j'avais marqué sur une partie de mon patron, j'avais marqué en fait au niveau du repère des poches, j'avais pas marqué les deux repères, j'avais marqué d'un côté la partie haute et de l'autre côté j'avais marqué la partie basse. Donc évidemment quand j'ai cousu, j'y ai pas du tout pensé, donc je me suis retrouvée avec une poche en haut et de l'autre côté une poche en bas. Bref, j'ai décousu, j'ai réparé mon erreur, maintenant elles sont toutes les deux à la même hauteur, donc tout va très bien. Alors, je vais vous montrer sur l'envers, puisque donc, vous avez une parmenture. Hop, donc, hop, elle est montée à la surjeteuse. J'ai pas encore rentré les fils, hein, comme d'hab. Donc là, vous avez la partie avant, donc avec la parmenture qui est ici. Hop, là, donc là, vous avez la fameuse, la partie burrito. Voilà. Et ensuite, vous avez donc les poches. Là, et vous avez la partie dos qui est ici, avec la parmenture dos qui est ici. Donc on voit très bien, mon fil de surgé, il est noir, ça se voit très bien. Et donc l'autre poche qui est là. Voilà pour ce petit modèle-là de la robe Mana. Donc moi j'aime bien, c'est une robe que j'aime bien. Après quand je l'ai passée et que du coup j'ai demandé à mon mari... de me prendre en photo puisque c'est ou mon mari ou ma fille, et du coup bah là mon mari était dans les parages donc je lui ai demandé, donc quand je l'ai essayé, donc il m'a pris en photo, il m'a dit direct: oh non, j'aime pas en dire un sac à patate. Merci chérie, moi aussi je t'aime. Donc voilà, donc moi c'est une robe que j'aime bien. Après évidemment c'est pas une robe habillée, c'est une robe pas de tous les jours quoi, je veux dire que je peux très bien porter pour aller au travail, que je peux porter pour aller je sais pas moi, faire des courses, me balader, aller chercher ma fille à l'école, enfin bref, c'est une robe dans laquelle je suis très bien. Moi je trouve qu'elle me va plutôt bien. Après c'est vrai que le col est quand même un peu haut et j'ai tendance à plutôt porter des cols dégagés, donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Bref. Oui, au niveau de la parmenture, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai fait une sous-piqûre pour que ça se maintienne. Voilà, elle sort pas, elle bouge pas. La seule chose qui... C'est pas que ça me dérange, mais j'ai pas l'habitude en fait. Puisque au niveau du haut, les manches, elles viennent un petit peu au niveau des épaules. Et du coup, voilà, ça a tendance à tirer un petit peu quand on bouge les bras. Après, on passe pas les bras non plus, on passe pas la vie non plus les bras en l'air. Enfin en tout cas pas moi, donc du coup ça me gêne pas plus que ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite robe Mana. Après oui il y aura d'autres versions, mais dans un tissu peut-être un peu plus estival. On va dire ça comme ça. Voilà, je vous montre ma version tout de suite. Portée. Alors, le dernier projet que je vais vous présenter, c'est donc un projet que je vous avais déjà parlé le mois dernier. C'est le projet que je vais appeler Boulet. Voilà, c'est le modèle que je vais appeler Boulet. Je vais vous expliquer. Donc, il s'agit du modèle, enfin du patron de la robe pensée de Dierendo, donc qui est sorti là il n'y a pas très très longtemps. Et donc, j'avais profité, j'avais pris donc le patron parce que je voulais me réaliser la robe. Donc, je vous avais expliqué le mois dernier que j'avais fait un mauvais choix. De tissu et que du coup ça ne m'allait pas, donc je voulais en refaire une. Bon, j'en ai refait une, mais vraiment et sûrement, et je suis sûre à 99% que c'est un modèle qui ne me convient pas. Alors en fait, en regardant comme ça sur le schéma technique, je vous mettrai les tailles de où et où ça va, puisque j'ai plus la pochette, puisqu'en fait j'ai revendu le patron, étant donné que c'est une robe que je ne compte pas refaire. Bon, même si j'ai le patron à ma taille ici, mais c'est pas quelque chose que je compte pas la refaire en tout cas. Non, je compte pas la refaire. Et du coup, en fait, je préfère revendre les patrons que j'utilise pas plutôt que de les garder bêtement. Donc je suis en train de faire pas mal de tri aussi bien au niveau de mes tissus.
D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de coupons de tissu qui peuvent rentrer, qui peuvent me servir de faire un empiècement pour un givre. Bref, je vois des givres partout maintenant, c'est pas grave, c'est une maladie, je pense que ça se soigne bien. Et donc oui, donc je fais le tri dans mes tissus et je fais aussi le tri dans mes patrons. Donc du coup, voilà, je vais en revendre quelques-uns et je vais vendre pas mal de tissus aussi. Parce que je me dis, je préfère que ça serve à quelqu'un et que je suis sûre. Déjà, je suis sûre que la personne qui m'a acheté ce patron-là et qui l'a reçu il y a 2 ou 3 jours, je sais qu'elle va en faire une très jolie version. Enfin voilà, je préfère que ça serve à quelqu'un plutôt que ça serve à rien dans mon atelier. Et que ça me prenne de la place. Bref, donc ce modèle en soi il me plaît beaucoup. J'aimais beaucoup voilà, le fait que ce soit une encolure, enfin un col V, que dans le dos ce soit ça fasse un drapé. Je trouvais ça très joli. Pour l'été j'aimais beaucoup, ça faisait un top à bretelles. Enfin, j'aimais beaucoup. Les explications, j'ai rien à dire au niveau des explications. Après, il me semble que c'est une difficulté 4 sur 5. Donc c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Il faut bien. Moi je sais que pour ma deuxième version, je l'ai fait sur plusieurs jours. J'ai pris le temps à chaque étape de bien relire, de bien regarder pour pas faire d'erreur parce que bah, sur la première j'avais fait une erreur. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris mon temps, etc. Et en fait c'est une robe qui ne me va pas. Elle ne me va pas à ma morphologie. Au niveau du buste ça ne va pas. J'ai été obligée de raccourcir les bretelles et en raccourcissant les bretelles, du coup ça m'a fait trop remonter. Donc du coup ça me gêne sous les bras. En plus l'encolure en V pour moi est trop profonde. Même si j'aime bien comment les décolletés en V ou en cache-cœur, enfin voilà, c'est quelque chose que je porte. J'aime bien puisque j'ai pas une grosse poitrine, enfin j'ai une poitrine normale, mais du coup voilà, j'aime bien. Mais là pour le coup, c'est trop trop décolleté, j'assume pas du tout. Le dos c'est pareil, c'est aussi trop décolleté, on voit un peu trop. J'ai essayé de rattraper, enfin j'avais essayé de faire des ajustements pour que. On voit un tout petit bout de mon soutif, mais pas non plus. Mon soutien-gorge, pardon. Mais pas non plus. Voilà. Bref, ça ne me va pas. Le fait que ce soit resserré à la taille, ça j'aime bien. Parce que je trouve que c'est les modèles qui me vont. Les modèles où voilà, où c'est un peu resserré au niveau de la taille et qu'après ça part en évasé. Je trouve que c'est quelque chose qui me va. Mais sur ce modèle-là, ça marque au niveau de la taille, mais ça part pas en évasé. Ça reste assez droit. Enfin, moi je trouve que ça reste assez droit. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me va. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les modèles de Dirindo. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien le cahier technique, je trouve que c'est bien fait. J'aimais beaucoup cette robe. Lise Taylor en a fait une version que j'aime beaucoup. Mais voilà, à moi, elle me va pas, ça me correspond pas. C'est pas grave, on peut pas toujours, hein, c'est pas possible. Tout ne peut pas être toujours au top. Même si c'est jamais le cas, puisque alors là, moi, j'ai des finitions qui sont tout souvent. Bref. Alors ma version, donc là voilà, je l'ai réalisée dans un crêpe je crois de chez Benitex. Donc il est noir et vous avez des sortes de feuillages un peu orangé, rose. Voilà, donc là vous avez le col V du devant, donc qui est très prononcé. J'ai fait une taille 36, hein, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait une taille 36 comme pour ma première version. Donc là vous avez les bretelles que bah du coup j'ai raccourcies mais qu'il va falloir que je rallonge puisque du coup c'est pas un. Je vais pas le jeter puisqu'elle est terminée, j'ai juste à rentrer les fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger je vais faire les bretelles aux dimensions de base et ça va aller à une copine, ça va lui aller très bien. Je vais être très jalouse, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là vous avez donc le devant qui est ici, donc qui est quand même. Donc vous avez la ceinture qui est quand même assez droit. Et donc le bas de la robe. Hop. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Voilà. Ensuite, au niveau du dos. Donc vous avez le drapé. Hop, vous avez le drapé. Ah ça c'est défait, zut. Zut, zut, zut. Voilà, donc vous avez le drapé au niveau du dos. Et vous venez donc l'accrocher en fait sur le côté de la robe. Donc la robe, même si vous mettez pas, j'allais dire, même si vous mettez pas le drapé derrière, on vous verra pas. Oui, c'est sûr, mais sauf que ça va faire joli. Bref, c'est pas grave, Céline, c'est pas grave. Donc vous avez la partie dos qui est comme ça et en fait vous venez y mettre le drapé ici, vous passez le lien qui a été une galère à retourner, c'est pas grave, vous mettez le lien dans le passant et ensuite vous nouez la robe pour marquer votre taille. Voilà, donc vous avez l'avant, je vais vous la retourner, donc sur l'avant vous avez.
la parementure. Voilà, qui elle n'a pas de pince, hein, puisqu'à l'avant vous avez de très très grands. Alors, je suis désolée, on a été coupé, plus de batterie, donc du coup je sais plus du tout où j'en étais. J'espère que je vais pas faire des doublons ou je vais pas oublier des choses. Alors, je crois que je vous étais en train de vous parler de la doublure et que je vous ai dit en plus une bêtise, puisqu'il me semble que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pince sur la doublure arrière, mais si... enfin la doublure. Mais en fait, si, si, hein, il y a des pinces sur la doublure de devant. Voilà, de chaque côté. Hop, donc là vous avez la doublure qui est quand même assez. C'est plutôt pas mal. Voilà, elle est prise en sandwich dans les emmanchures. Donc ça c'est bien. Ensuite vous avez donc la doublure dos donc qui passe au niveau des emmanchures jusqu'au niveau de la bretelle et qui continue sur le dos. Donc ça c'est la partie qui vient se croiser derrière. Donc là vous avez donc le lien. Vous avez la partie là où j'ai fait un double rentré bah, pour pas que ça se voit que ce soit quand même plus joli. Et ensuite l'ourlet, j'ai aussi fait un double rentré. Voilà, je me suis pas trop. Enfin, j'ai fait ce qui était marqué. J'ai suivi chacune des étapes. Voilà, c'est un projet qui m'a pris du temps parce que j'ai été minutieuse. J'ai vraiment fait attention à chaque étape. Ça m'a pris plusieurs jours. Je faisais que quelques petits morceaux, puis après je m'arrêtais. Voilà, j'ai pas voulu faire de bêtises, etc. Et donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu déçue et que finalement, voilà, ça, elle aille pas à ma morphologie. Voilà, c'est pas une forme, enfin c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Voilà. Alors, je crois que je vous ai tout dit sur ce modèle. En tout cas, la personne qui va la récupérer, je pense qu'elle va être très contente. Il me reste juste, voilà, à refaire les bretelles à la bonne dimension. Et je pense qu'elle sera contente d'avoir une nouvelle robe. Enfin voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne portée. Par contre, vous ne verrez qu'une photo de dos. Puisque voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau du devant, je n'assume pas le décolleté. C'est trop profond pour moi. Et du coup, voilà, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc, je ne vous montrerai pas le devant, mais uniquement le dos. Voilà, je vous montre ça tout de suite. On en vient donc à la fin de ce podcast. Il me reste plus qu'à vous parler de mes projets donc pour le mois de juin. Donc un projet qui c'est sûr va être fait, voilà, parce qu'il est découpé, etc. C'est ce que je devais faire ce mois-ci. Donc c'est la robe Myosotis de Dirindo. Donc j'ai choisi de faire cette version-là en double gaze blanche à pois dorés. Voilà, donc cette robe-là, c'est sûr à 99,9%. Que vous la verrez lors du prochain podcast. Voilà. Hop. Ensuite, une autre robe que j'aime, que je vous ai déjà parlé et j'aimerais bien refaire, c'est la robe Réglisse, hop, de Dirando. Voilà. Donc, par contre, sur cette nouvelle version, je ne pense pas que je vais faire le col. Non, je pense que vous verrez mieux là, en fait. Hop. Ce col, le col lavalière, je vais faire le col tout simple, donc la deuxième version. Et donc ce sera dans un tissu noir à gros pois blancs avec des fleurs. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, j'adore les pois. Donc une robe réglisse. Ensuite, pour vous parler des modèles donc, que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos, donc il y aura une nouvelle robe flow, donc de la maison Victor, puisque voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup, c'est une forme que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc j'en ai déjà cousu deux l'été dernier. C'est voilà, c'est des robes que j'ai beaucoup portées. Et donc j'en voulais une autre. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup le buste, la jupe qui part en évasé. J'aime beaucoup. Et donc là, ce sera fait dans un crêpe noir à pois blanc. Voilà. Il me reste plus qu'à trouver la fermeture éclair à la bonne dimension puisque celle que j'ai ne va pas. Et un voile de coton puisque mon tissu est un petit peu transparent. Donc voilà, une robe flow. Ensuite, un dernier modèle pour moi que j'aimerais bien me réaliser. Donc c'est la robe Centauré de Dirando. Donc j'aimerais bien faire donc, la version avec l'ourlet asymétrique. Donc vous avez le devant qui est plus court que le dos. Voilà. Donc j'aimerais bien me la réaliser dans un. Enfin, j'ai acheté un tissu exprès.
un tissu blanc rayé bleu marine avec des fleurs. Pas que des pois. Voilà, après je pense que je vais un peu cafouiller au niveau des raccords à ce niveau-là. Bon, voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc une robe cintorée. Et ensuite, j'aimerais bien coudre aussi pour ma fille un petit peu. Puisque bon, je lui ai fait pas mal de pyjamas, pardon. Et je lui ai transformé des jeans qui lui étaient trop courts au niveau des jambes, mais qui lui allaient encore au niveau de la taille. Donc je lui ai transformé en short. Mais là, j'ai envie de lui faire un vêtement en entier. Donc j'ai trouvé sur Makerist, quand ils faisaient leur patron à 2€, la robe C-cœur. Voilà, donc c'est une robe cache-cœur en jersey. Et donc il y a la possibilité de faire robe ou sweat ou t-shirt. Voilà, on va voir ça. Donc j'aimerais bien lui réaliser cette petite robe ou un petit t-shirt. On verra bien. Et là par contre pour ma fille, je n'ai pas acheté de tissu exprès. Parce que j'ai beaucoup, 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 comme je vous disais, de stock de tissu. Quand même, ça commence à s'accumuler. Et voilà, il y a des tissus que j'ai utilisés pour moi où il me reste pas une quantité suffisante pour me faire quelque chose pour moi. Mais je pense que ça suffira pour faire une robe à ma fille. Donc voilà. Donc je vais prendre des jerseys de mon stock. Voilà. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu malgré les cafouillages qu'il y a eu. Voilà. Donc vous n'avez pas tout vu puisqu'il y a plusieurs scènes que j'étais obligée de retourner. Enfin plusieurs... C'était un peu compliqué. C'est pas grave. J'espère que le montage ça va aller. Et que voilà, la vidéo vous plaira. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube et sur Instagram, parce que voilà, on est de plus en plus nombreux et je trouve ça vraiment chouette. Merci pour vos pouces, enfin vos pouces en l'air, c'est super, ça m'encourage, donc merci beaucoup. Merci pour les commentaires et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous, bon alors que ce soit par commentaire YouTube, ou alors il y en a certains d'entre vous qui me contactent via Instagram et du coup je trouve ça sympa de pouvoir communiquer avec vous puisque bon comme vous le savez je n'ai personne autour de moi qui écoute. Du coup voilà j'en parle à mon mari mais bon mon mari même s'il est adorable et qu'il me donne son avis enfin voilà c'est pas son truc quoi. Donc voilà je suis contente de pouvoir échanger avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Profitez bien de ce mois de juin. Moi, le début va être compliqué puisque ma fille part en classe verte une semaine. Ça va être dur, dur, dur. Mais bon, je vais en profiter pour coudre puisque je travaille pas tous les jours. Donc je vais en profiter pour coudre pas mal, je pense. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Et puis à bientôt. Bye bye.